Peggy 3. Bonjour monsieur, comment ça va? Comment allez-vous monsieur? Je suis Frottman, je me frotte partout. Ouh, ça fait un beau corps. S'il vous plaît, entubez-moi. Monsieur, entubez-moi. Mais entubez-moi là, bordel. Entubez-moi s'il vous plaît monsieur. Entubez-moi. Allez, mets la main profonde. J'aime ça, bordel. Oh oui, toi aussi, prenez-moi en gangbang. Comme dans mon pays, s'il vous plaît. Allez, entubez-moi, bordel. Vous voulez un beau corps tout saillant. S'il vous plaît, entubez-moi. S'il vous plaît! Allez, s'il vous plaît! Oh, ils sont pas gentils! Oh! Il ouvre le feu! Mais messieurs! Non, j'ai pas dit tasser moi, j'ai dit entubez-moi! Oh, il m'a tâté! J'aime ça, il est plus fort, oui! Merde! Oh, s'il vous plaît, plus fort! Encore, s'il vous plaît! Je... Oh, hey, salut! Oh, fais chier, ça recommence. Eh, me laissez pas là. Vous vous occupez de mon copain et vous me laissez tout seul. S'il vous plaît, venez m'occuper de moi. Occupez-vous de moi, s'il vous plaît. Entubez-moi. Vous êtes à 4 sur mon pote et vous me laissez tout seul, s'il vous plaît. Ah, arrêtez de me toucher les fesses, vilain garçon. C'est un petit coquin. Hein. Attendez monsieur, j'ai l'intérieur pour chercher dans la tech pour fouiller. Oh oui. Ah, je suis pauvre maintenant. Oh oui, j'écarte les cuisses. Oh, grand cochon, mettez-la moi. Vous refusez. Oh. Vas-y tous. On va vous envoyer en prison monsieur. Il faut que tu tousses, Chris. Mais pas trop profond. Et lui. Oh, il fait quoi lui? What the fuck? Je crois qu'ils sont morts. Je crois qu'il y a eu un petit problème. Voiture en visuel? Ouais. La voiture est fermée. Vas-y, lock pick. J'ai peur. J'ai peur que si je lock pick. Allez-y. J'ai un pistolet sur moi aussi. Je n'ai pas d'autre choix. Si vous avez le... Je suis dans les buissons. Si jamais ça va pas, tu tires. Pas vu, je vous avertis d'abord. Ouais. Il y a des bandits dans le coin, vous avez des attaques là. Non, non, il n'y a pas de bandits dans le coin, je vois ce que tu parles. Pas du tout, aucune information à l'est. Oh merde, il y a une barrière, on peut la passer? Quelle barrière? Je peux travailler tranquille. Oh putain, faut sauter. T'as sauté toi? Je vais vérifier maintenant les papiers du véhicule. Ouais, je l'ai sauté. Voilà. Putain, je suis trop visible. Là, cette nuit, ça se passe bien. Allez! Allez! Beaucoup de circulation. Ah, quand même. Oh, il hisse là-bas le flic. Je crois qu'il y a un flic qui se doute de quelque chose. Non. S'il te plaît, Jésus, Marie, Joseph. Mamie, Roi, vous pouvez remonter dans votre véhicule. En vous souhaitant une très bonne soirée. Merci. Merci vous aussi. Merci. C'est bon, il se doute de rien. Il ne doit pas être là, le flic. S'il te plaît, vite. Mais vite, s'il te plaît! Bah. Oh putain! Y'a un flic qui arrive! Non, mais non. Oh merde! Oh! Oh! Cache-toi! 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 Oh! Chris! Chris, je vais mourir! Chris, je suis foutu! Cache-toi! Cache-toi bien! Il me voit! Il me voit! Il me voit! Oh, y'a Masfi qui arrive! Faut courir! Chris, cours! Cours! C'est bon, monsieur. Oh!
Fais des zigzags, fais des zigzags. Donc monsieur Poire, monsieur Poire Belle Hélène, 6 tentatives de vol de voiture. 6 tentatives. Ah non, ça c'était faux. Ça c'est Tu me déçois. J'étais mort avant. Vous m'avez arrêté hier pour ça, monsieur. Enfin, ça devait pas être vous, ça devait être un cas. Monsieur, c'était reçu ces informations il y a quelques minutes, monsieur. Mais à mon avis, c'est que votre ordinateur, il doit ramer, c'est pour ça. Il doit mettre du temps. Monsieur, c'est l'ordinateur de la NASA, NSA, FBI et c'est ce que je dis, il doit ramer votre ordinateur. Sergent Buffalo, j'ai besoin d'un témoin pour ouvrir le sac à dos de monsieur Poire Belle Hélène. Ah non, vous pouvez pas l'ouvrir, il y a une fermeture exprès qui ne peut pas être ouverte par Nous sommes dans un commissariat. Il y a un témoin à charge avec moi. Mais non, il n'y a pas de témoin, vous n'avez pas ouvrir mon sac à dos. Il y a une bombe dedans, si vous l'ouvrez, on explose tous. Oh, tu m'as caché ça. Oh, bon, je sors, messieurs. Je sors, messieurs. Ça va péter, tu l'ouvres, ça va péter. Non, monsieur, attendez là. C'est déjà fait, monsieur. Fausse alerte de bombe, on va ajouter ça à votre. Non, c'était une blague. 62 000. C'est un peu. 50 000 pour l'armée légale et 12 000 pour avoir volé des voitures. Laissez-moi le temps d'y réfléchir. 10 ans. Pour avoir foire Belle Hélène, tu peux pas aller 10 ans en prison. Effectif, soit vous payez maintenant, soit je vous mets en prison dans 10 secondes. Monsieur Jean-Bond Bayonne, s'il vous plaît, reculez. Reculez 5 mètres, tout même. Merci, monsieur. Attendez, je réfléchis. Bon, je vais payer alors. Voilà, j'ai payé. J'ai payé, voilà, c'est bon. Contact, rifleman. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci pour votre indulgence, messieurs. Ma femme va m'engueuler, hein. Je vais essayer de le repiquer, mec. Oh, bah, je me casse, hein. Je t'attends à la voiture. Putain, si je me souviens où elle est. Il y a du monde et tout, mon gars. Non, mais ils voient quand tu. Pique pas la même alors. Si, la même, bien sûr que si. Tu veux. Ça sera fait arrêter, ça va être trop. Il revient. Il revient pas. Il revient. Putain, le mec vient de payer 62 000 euros d'amende, il va voler un véhicule. C'est bon, oh, il y a un flic qui revient. Casse-toi. Cours, mec. Non, c'est foutu. C'est foutu. Pourquoi? Bon, messieurs. J'ai fait quoi? Vous venez de m'arrêter là, monsieur, quand même, hein. Alors, monsieur, on est récidiviste. Allez-y, monsieur, vous pouvez passer, hein. Je vous ouvre la barrière. Allez, on avance, s'il vous plaît. Monsieur, vous n'ouvrez pas la barrière, monsieur. Monsieur, n'avancez pas, merci. Un grand putain. Allez-y, je vous en prie. Avancez jusqu'à la prochaine barrière. Allez-y. Avancez pas, monsieur. Avancez, monsieur. Oh, allez. Vas-y, laisse-le partir, là. Arrête de le faire chier, laisse-le partir. J'aurais pas dû faire ça. Non, c'est pas grave. Laissez-le partir. Ou ça ira très mal. T'inquiète pas, mon frère, on est avec toi. Ils sont trois. On est trois, les mecs. Et alors, nous, moi j'ai des frères derrière. Déposez les armes. J'ai une famille. Déposez les armes, les gars, ou il y aura pas de mal. On est trois. Ah, je vous emmerde. Laissez notre frère partir là. Eh, on veut juste notre frère, c'est tout. Non, oh, tu le mets où, hein? Tu touches pas à mon frère, toi. T'inquiète pas, Touko, ça va aller. On est là, mec. Je vais jeter une grenade. Je suis un malade. Ah ouais? Ok, ouais. Si c'est comme ça, adieu. Vas-y, monte, t'es prêt? Ma mère a dit que je suis un fou, donc s'il te plaît, tu me rends mon frère. Vous êtes sûr que c'est votre frère? Ouais, c'est mon frère. Laissez-le partir. Viens vers moi, j'ai des bonbons.
Il a quelque chose d'illégal sur lui ? T'as quelque chose qui nous appartient. Parce que c'est notre frère, putain. Parce que c'est notre frère, bordel. Je connais pas du tout ce mec. Libérez-le. Non, je le connais pas non plus, je sais pas du tout qui c'est. Messieurs. Eh, je vais le dire à ma mère. Allez, salut. Oh. Les balles. Alors là, oh, il y en a un deuxième là. Il y en avait un là, t'as vu? Il y a une voiture en face. Bah ouais, il y a une voiture en face. Tu crois qu'elle est ouverte? Ok, on va s'arrêter. Tac. On va attendre qu'ils reviennent. Oh, c'est bon. Et on rentre, on se casse, Chris, on se casse. On se casse. Ouais, monte, Chris, on se tire. Oh merde, il y a une voiture de flic là. Regarde, à gauche. Putain. Oh, le poil pubien. Non. What? Le poil pubien est au plus long. Je répète, le poil pubien est au plus long, d'accord? Le pigeon se fait fister. Je répète, le pigeon se fait fister. Ou bien le poil pubien a rétréci, ou je sais pas. Non, ok. Ou alors le poil pubien en approche. Non, le poil pubien. Oh, poil pubien était. En... Le poil de la putain, oh, une voiture. Ok, c'est bon. Je vais me faire écraser. Oh, yeah. Vas-y, go. Vas-y, sors, bouge pas, mec, fais pas le con. Tu fais pas le con, mec. Il a une arme? Non. Vas-y, allonge-toi à terre. T'as de l'argent sur toi, donne-moi tout ce que t'as. Bah, tout ce que j'ai, c'est dans le camion. Et t'as quoi dans le camion? Du cuivre. Vas-y, ouvre, donne-moi les clés du camion. Et surtout, tu prends ton temps, mon canard, hein. Genre mon canard, tu sais. Allez, mon poussin. Je t'ai déjà donné les clés. Ok, hey, tu me parles autrement. Et tu changes de ton, mon gars. Hey, je suis pas ta mère, hein. Non, mais alors. Non, putain, mais oh, c'est jeune, je te jure. C'est gosse, sérieux. Il y a 35 copeurs. Vas-y, on les prend. Vas-y, ouais. Hey, mec, tu bouges. Tu bouges un poil plus bien, mec. T'es mort. Ah, t'as bougé, là. Vas-y, c'est bon, tu peux partir. Vas-y, casse-toi! Et à tout droit! Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il se soigne. Enfin, je crois. Ou alors il se masturbe. Tu crois que c'est vraiment le moment pour faire ça? Te masturber en public? Devant deux mecs comme ça? T'es vraiment dégueulasse, mec, hein? Hé, t'as vécu, mec! Hé, t'as cru qu'on allait s'en occuper? C'est pas une décharge. Allez, reprends-le, casse-toi. Allez, plus vite là! Vas-y, fuis! Allez, fuis! Tu dis à quelqu'un qu'on est là, mon coco, je te descends! Oh non, s'il te plaît, pas à la prison, Virgile, s'il te plaît! Depuis quand on se connaît? Ça fait longtemps qu'on se connaît, Virgile! Ça va faire 10 minutes qu'on se connaît, Virgile, on a vécu plein de choses ensemble! Hé, gros cochon, tu vas pas me tromper maintenant! 2500 abonnés! Incroyable, merci à vous tous! Dans la prochaine vidéo, c'est vous qui choisirez ce que l'on doit faire, alors laissez un commentaire! Youpi tralala.